Well, that was a weird intro. Hey, what's up, you guys? So today's video is gonna be a bit different because I obviously have my face all up in a f***ing shoe. What? So as I've said in countless videos before, I come from a very tiny island off the east coast of Madagascar called Mauritius, and we speak several languages there. One of them happens to be French, which is one of the primary ones. Being such a small island and having so much influence concentrated in, well, such a small island, we developed quite a peculiar way of speaking French. I think it's very interesting, and this is what I'm gonna do today. So the other day, I was doing a random story on Instagram. Don't follow me, follow me here. Self-promotion. I was just scrolling through YouTube, listening to several Mauritians speak. There are quite a few good Mauritian YouTubers out there, like, you should check them out. Subscribe to me first. They speak in a very peculiar way. The French accent kind of vary from person to person. No shade, no nothing, it's just highlighting the diversity. So here are the different types of French accent you'd find in Mauritius. Oh, and disclaimer, this video is gonna be in French, so if you don't understand French, click on the caption here. Donc, accent numéro uno. Donc, je vais commencer avec l'accent qui est généralement reconnu comme étant français. Il y a pas mal de Mauritiens qui parlent de cette façon, mais d'habitude, ils sont soit nés en France, soit ils ont vécu à Paris pour un bon moment, soit ils sont partis en vacances à Paris, ils reviennent après 3 semaines et puis ça fait vous voyez le créole. Accent 2, c'est l'accent mauricien. Là, ils vont pas aller comme ça, ils vont pas rouler les R, ils vont être définitivement plus relax, mais ils vont aussi s'en servir des mots qui sont pas français. Ils vont dire bon après-midi, bon apédélo. Donc c'est un français beaucoup plus relax, pas autant de règles. Et là, il y a l'accent franco-mauricien. Ils vont définitivement parler différemment de la population générale. Et ils vont dire Marie beaucoup. Il y a un bateau qui est pas très loin de la conversation non plus. Ils vont définitivement pas rouler le R. Ils vont surfer à Tamarin ou le Mon. Ils ont probablement petit, lorette de Cupip, lorette de quatre bornes, les lorettes, ils disent petit. Et le bocage, les écoles privées, petit. C'est pas trop rare d'entendre une personne franco-mauricienne qui dit « Véronica, tu veux un bouillon CF ce soir ?» Et ils sont généralement blancs, et s'ils sont pas blancs, ils vont toujours pas aller comme ça. Parce que ça donne l'impression d'être riche. Bonhomme. L'accent français petit. Là, le français devient un peu plus créole et beaucoup moins français. Ils vont causer beaucoup, ils vont dire qu'ils... qui sont frottés à la carocane, carosusu, et je suis très émuse. And that's it, 4 different accents. If you guys thought it was funny, please give it a thumbs up and let me know in the comment section down below if you guys thought that was accurate. I think that was quite accurate. If you hear that in real life, you can immediately imagine how they grew up. Anyway, that's it. I'll see you next time. Bye.